c'est une victoire collective. Évidemment, c'est une victoire de l'état de droit qui a marqué un pas contre une idéologie abjecte, le négationnisme, qui n'a pas le droit de citer dans notre pays. Et cet encadrement de la liberté d'expression en y mettant une frontière qui est justement celle de la négation de crimes contre l'humanité, de génocide, eh bien, a été réaffirmée par le Conseil d'État. Dieudonné n'est plus un artiste et ce n'est ni un artiste ni un martyr. Il a franchi toutes les limites de ce qui est acceptable dans une république, dans une société démocratique comme la France.